Se loger a été de tout temps un des problèmes auxquels l'homme s'est heurté depuis le jour où il existe. L'habitat, disons plutôt la case ou la maison, représente une base où l'homme retrouve les siens après ses journées de labeur. Il y faut donc une certaine dose de confort pour qu'il se sente pleinement heureux. Mais du fait que la vie en association avec les autres, la vie en société, du fait également d'une démographie galopante, il devient urgent de trouver les voies et moyens de rendre heureux l'individu dans le milieu où il a décidé de vivre. En République centrafricaine, l'habitat varie selon que l'on se trouve en région de forêt, de savane ou dans d'autres sites comme les rives du fleuve Oubangui ou les plateaux de la Nana Mambéré. Il apparaît en général que l'homme a une nette tendance à utiliser les matériaux qu'il trouve sur place, comme le montrent ces huttes pygmées faites de branchages et de feuilles à la taille des occupants et qui se caractérisent surtout par leur grande précarité. Aussi, c'est sur l'utilisation des matériaux locaux, abondants et moins coûteux dans la construction des habitations, que les services de l'État centrafricain chargés de promouvoir le développement d'un meilleur habitat vont-ils devoir mettre l'accent. Les matériaux locaux ont donc été utilisés par les centrafricains depuis fort longtemps. Leur emploi continue cependant dans les zones rurales, alors que dans les villes, ils sont de plus en plus améliorés. Nous avons alors trois grands types d'habitats. Le traditionnel amélioré et le moderne. L'habitat traditionnel est en général bâti à même le sol et sa principale caractéristique demeure l'utilisation des bois de diverses sortes, des roseaux entrelacés dans lesquels sont insérés des mortiers de terre. Les villages ainsi construits s'alignent en général de part et d'autre d'une route ou d'une place, ou alors d'un équipement collectif. Quant à l'habitat traditionnel amélioré, il tient en réalité aux fondations en moellon avec joints de terre et aux murs construits en parpaings de terre crue. Il faut en moyenne entre 3000 et 5000 parpaings de terre crue pour la construction d'une maison. Le fabricant peut en produire 500 par jour. Une telle construction dure en moyenne 15 ans, étant entendu que la couverture en paille ou en bambou devra être changée dès que l'on constatera qu'elle n'est plus imperméable. Dans certains cas, les fondations peuvent être en pierre et ciment. Les parpaings de terre sont agencés avec du ciment. La toiture est généralement en tôle d'aluminium. Donc, parpaings de terre crue, ciment et moellon pour liant, piliers, portes et fenêtres en bois, toiture de tôle d'aluminium spécialement étudiée pour préserver de la chaleur. Le prix de revient d'une habitation de ce genre varie entre 250 et 2400 dollars selon qu'elle comporte 2, 3 ou 4 pièces. Il faut dire également que c'est ce genre d'habitation qui se répand de plus en plus en République centrafricaine et elle convient parfaitement
au centrafricain moyen. Le plus bel exemple de réalisation dans ce genre demeure la cité des sinistrés des dernières inondations de Bangui, bâtie à Galabadja. Ce sont ces inondations annuelles qui constitueront à la longue une menace pour l'environnement à Bangui. Quant à la cité elle-même dite des sinistrés, elle est cadastrée et il y est prévu l'installation de l'eau, de l'électricité, d'un terrain de sport ainsi que des autres infrastructures sociales pour que les occupants puissent jouir du maximum de confort. De ce même confort jouissent gratuitement les habitants du premier village pilote Jean-Bédel Bokassa près de Bangui. Il s'agit en fait de trouver une solution à l'exode rural, véritable maladie des pays du tiers-monde. En plus du logement, nous disposons de l'électricité, une école, un dispensaire, une maternité avec tout le personnel traitant. Et puis l'eau potable vient elle aussi d'être installée, ce qui fait que nous avons donc à notre disposition toute l'infrastructure sociale. À présent, ce que l'on peut encore faire pour nous aider est de nous installer un téléviseur dans le village, ce qui nous permettra de passer d'agréables soirées. Le centre de santé du village pilote dispose d'une quinzaine de lits. C'est le grand problème qui se pose, c'est le marché. Alors, comment vous faites pour vous approvisionner en nourriture? Il y a des choses que nous nous trouvons sur place ici, mais parfois nous partons à Bangui pour acheter les choses qui manquent, par exemple du poisson. Donc votre gros problème actuellement, c'est le problème du marché. Le grand problème, c'est le marché. L'usine de jus de fruits procure du travail aux habitants du village en même temps qu'elle absorbe leur production fruitière. J'ai fait construire des latrines en briques cimentées et on a mis des couvertures en tôle. Tout est moderne, si bien on a essayé même d'éduquer tous les habitants à savoir utiliser ces latrines. Voici Mbata, ville industrielle née de l'installation de la plus importante société centrafricaine du bois. On s'en doute, le matériau le plus utilisé dans la construction des habitations ne peut être que le bois, d'où pour la localité le surnom de Far West. Mais l'on se demandera toujours pourquoi l'utilisation du bois, dont le pays est pourtant grand producteur, dont l'habitat se développe si lentement, pour ne pas dire qu'elle reste limitée aux charpentes, piliers, portes et fenêtres, alors que le type de bois utilisé ici est très apprécié pour sa solidité et sa résistance à l'humidité, pour peu qu'on l'entretienne. La recherche de solutions pour un meilleur habitat pour le centrafricain continue. Elle a parfois donné de bons résultats, comme ici, ces ensembles à l'architecture variée et recherchée, réalisé par la Société Nationale d'Habitat à la SICA 3, quartier résidentiel de Bangui. Cuisine et toilettes sont regroupées par ensemble de 4 pavillons afin de permettre un contact plus étroit entre les habitants. Il est également intéressant de souligner que les exemples de quartiers modernes comme la SICA 3 provoquent souvent à long terme dans le milieu où ils sont implantés, le phénomène sociologique de l'émulation. Mais de plus en plus, les propriétaires, tant des duplex en bande que des pavillons particuliers, acquis à crédit et à des conditions favorables, remboursement entre 10 et 20 ans, ont tendance à y entreprendre des opérations de transformation, ce qui donne un peu plus de couleur à la cité. Au fur et à mesure que les premières expériences portent fruit,
d'autres sont lancées, car il est évident qu'une bonne gestion de l'environnement tient avant tout d'une bonne organisation de l'habitat. Ainsi, le gouvernement centrafricain vient-il de lancer un vaste programme de construction de 500 nouveaux logements en matériaux préfabriqués qui seront disséminés à travers Bangui. Ce sera donc là un autre capital habitat non négligeable que la nouvelle génération aura charge, non pas tant de garder, mais de développer, la coopération internationale aidant. Mais encore faudra-t-il assurer l'équilibre nécessaire entre le développement des zones urbaines et rurales.